Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette quatrième épisode sur Jurassic World Evolution 2, le parc de San Diego 1997 en mode théorie du chaos. Nous sommes en train de faire les objectifs au fur et à mesure, il ne nous reste plus qu'un à faire, à savoir avoir 8 espèces, donc ça devrait arriver. Dans ton parc aussi, ils ont construit des chambres de shoot, c'est ça. C'est ça, en fait il fallait pas le dire, mais bon, tu as révélé mon secret, oh non. Bon. On va développer le parc. Alors là, ce que je vais essayer de faire idéalement, c'est de dégager tous les fossiles. Et aussi quelques... Alors, petites choses à revendre, genre ceci. On va affecter des scientifiques. Bah toi, tu sais quoi, tu me plais bien. Extraction plus rapide en plus. Ensuite, au niveau des scientifiques, tu vas me prendre un petit congé. Alors, il faut que je regarde juste un truc. J'avais logistique, alors. Alors, spécialiste en bien-être en logistique. Donc, il me manquerait un spécialiste en génétique. Mais ça court pas les rues, hein. Le spécialiste en génétique à 10 points. Déjà, on va les former un peu. Alors, tcho. Bah, tu reviendras quand tu te seras formé, quand tu reviendras de congé. Toi, tu peux... Ah non, il me faut aller là. Ok, il me faut 3 étoiles et demie. D'accord. Au niveau de l'enclos, on pourrait partir sur ça. Nous devons éliminer le témoin. Ah, doucement, les gars. Alors, t'es spécialiste en logistique, ça me plaît très bien. Et t'es enthousiaste, ça me plaît bien aussi. Allez, 500 000, on fait attention à l'argent aussi. Bon, je rappelle, nos deux T-Rex vont pas tarder à canner, hein. Comment ça, pas assez de commerce? Donc le centre des sciences, par contre, je pense que je vais le déplacer. Ici, il fera l'affaire. Ah. Alors attends. Parfait. Ça nous fera gagner un petit peu de place. Oh, CG Rex, qu'est-ce que t'as foutu? Mais CG, faut se calmer, monsieur. On avait dit doucement, hein. Eh, on se calme. Hein. CG Rex, pas content, on a bien compris. Ah, c'est T-Rex, je vous jure. De grandes stars, certes, mais très capricieuses, hein. Alors, notre EMV, elle est en route ou pas? Alors, toi, tu peux te soigner ou... Non. Donc, toi, tu vas aller soigner et l'analyser. Par contre, il va nous falloir... Où est mon centre d'intervention, là? Où est-ce qu'il... Ah, il est là. Alors toi, tu vas devoir endormir notre magnifique T-Rex ici. Par contre, là, on en est où niveau fossile? Ah, je les avais pas affectés. Ah, c'est con, ça. Hop, c'est parti. J'ai peur pour les finances, hein. Je vais pas vous le cacher quand les T-Rex vont disparaître. Alors, spécialiste en bien-être. Et hop. Voilà. Griffe incarnée, il s'est battu avec un autre T-Rex. Bah bravo. Très bien. On va continuer de débloquer tout ça. Le Cellophysis est un génome fiable désormais. On va continuer de le travailler. Hop là. On va essayer de regarder aussi si on... Je vais regarder régulièrement si on peut pas avoir un scientifique en spécialiste en génétique. Une fois qu'on aura... Si je vois un 10 en génétique, bah alors là on se met bien quoi.
Bon, je vais calmer les recherches pour l'instant parce que on s'est des revenus, attention, hein, mais c'est pas assez. Donc le premier T-Rex est en train de se faire soigner. Il se fait dorloter. Alors si je veux une EMV supplémentaire, c'est où? Ah, c'est là-bas. C'est loin. Donc là, notre premier T-Rex est en train de se faire soigner. On le remet. Ensuite, on soigne le second. Niveau des... Comment dire? Alors ici, 3 et 3 et 2, 5. En vrai, ça passe là. 1, 2 et 3, 5 et 2, 7 et 2, 9. Tu refais extraction plus rapide. Et ensuite, lui, tu l'envoies en congé. Et basta. Ah, il y en a un qui doit éliminer le témoin et l'autre qui veut l'éliminer. Alors, moment, il faut se décider à un moment, mon vieux. Là, le but, ça va être de mettre les cellophysis, je pense, ici. Hein. Ça va être une bonne zone pour eux. Alors, combien on pourra en mettre, ça, c'est un autre débat. T'es la spécialiste en bien-être. Allez, hop, putain. Ah, par contre, on a une note de 2 étoiles sur 3. C'est embêtant, ça. Bon, là, il va falloir essayer de compléter au plus vite le génome de Cellophysis. C'est un chat, c'est un petit carnivore aussi, celui-là, si je dis pas de bêtises. Strucio, Tricé. Attends, il n'y a plus de Cellophysis ici? Non. Tu déconnes. Là, c'est le Succomimus. C'est le gros. Ah, le comptable, ah bah oui, mais bon. Il faut m'en laisser un quand même, mon monif. Et après, comment on fait les comptes dans le parc, hein? Ah, allez, v'là. Le v'là, te v'là. Alors, 4 en logistique. C'est parti. Alors, Deb, tu vas... aller en congé, tu l'as mérité. Comment ça se passe? Alors les commerces, je vois un peu ce qu'ils réclament les visiteurs. Bon, par là, ça commence à en réclamer, mais bon, ici, ça va être plus compliqué. À moins de détruire l'amphi, mais bon. Là, nos bénéfices, ils sont comment ici? Ils sont plutôt pas mal. Ah, CJREX, tu vas retourner dans ton enclos. Parfait. Alors, au niveau des fossiles, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Bon, quoi qu'on aura le Cellophysis avec un génome complet, tu me diras. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à faire une nouvelle espèce? Carnosaure, ouais. En vrai, j'ai envie de partir tout de suite sur le Succomimus pour remplacer les T-Rex et des gros dinosaures. Bon, ce sont des dinosaures piscivores. Sinon, pour les DLC soldés, il y en a sorti en flash tic-tac-tic-tac-tic-tac-tac-tic. Alors, Momon, est-ce que tu peux regarder les deux derniers DLC de Palaiseau si c'est le cas ou pas, s'il te plaît? Oui, s'ils ont un peu de solde, sinon je... Si ça te dérange pas. Je pense que Succomimus, ça va être notre future attraction, star. Voilà. Ah merde! Ah bah, si Jenny Rex, il a pas fait long feu. Donc, Cellophysis, c'est un génome complet.
Je pense que c'est des ventes rapides mitrandir sur une courte durée. Attends, j'avais fait des parasos. Oh, je les avais complètement zappés, tu me diras. Eh, j'ai des parasaurus qui sont géniaux. C'est parti. Ouais, Alors peut-être pas forcément sur Steam Mitrandir, mais peut-être sur Games Planet par exemple. Moi ça me perso Games Planet, ça me dérange pas d'y aller quoi. Ils sont partis, ouais, ils sont partis, j'ai eu peur. Bon là, il va vite falloir remplacer par les T-Rex par les Succomimus, pas le choix. J'espère juste qu'il y aura assez d'espace par contre. Alors je vais pas trop traîner, je vais partir sur. Attraction. Parfait. On va mettre un peu d'eau déjà pour démarrer. Parfait. Et là, on va transférer tout le monde ici. Oui, je sais qu'ils ont perdu 3%. Attends, attends, attends. On va en avoir un. Non, 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 transfère les pas. Ah putain, je me suis planté, j'aurais pas dû. Pour Planet Zoo, ouais. Bah, je Et justement, moi, je crois que je vais me les prendre alors. Niveau opération, je vais me couvrir avec un deuxième centre de réaction. Ouais, moi 10% ça se prend, je vais le faire. Alors, le Succomimus. Oh. Ouh. Ah oui, ça calme là. Regardez-moi tout ce beau génome. Eh bien déjà pour commencer, je vais faire ceci. On va choper 50, quasiment 46% du génome de Succo. Ce qui va faire. Alors 3 points il me faudrait. Parfait. On va être bien là. Manque de noix au sol. Est-ce que là ça va suffire? Parfait. Ah oui, j'ai oublié ce groupe là-bas, ces gus là. T'as 8 parasos au milieu d'un amphi, tu sais pas ce qu'ils font. Alors toi, tu vas aller me les endormir. En fait, si vous regardez, bon là j'ai de la chance, mais ils se sont pas barrés, mais ils pourraient s'ils traînent pas, je serais dans la merde. Je vais juste attendre qu'ils soient tous endormis. Je vois qu'on a une attraction disponible. Ah, on a le cinéma là, tu me diras. En vrai, je vais en mettre un là de cinéma, tu vois. Là, je suis en x3, j'accélère, je sais, mais. Ok, donc là, tous les 5 gus là se sont fait endormir. On va les livrer avec les copains. Hein.
Voilà. Et là, ça a donné plus d'attrait ici, c'est cool. Je me demande si on peut bouger ça ou pas. Alors, avec quoi ils s'entendent déjà les parasos? J'essaie de me rappeler. Ils aiment que les sauropodes. D'accord. Et les pachys, ils aimaient quoi, eux? Sauropodes, ankylosauridés, stégosaures. Ils aiment beaucoup de choses. Bon, là, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Extraction plus rapide. Alors, au niveau des congés, on va mettre Alves en congé. Hakim va aller en congé. Matsumo, pareil. Et toi aussi. Bon, par contre, génétique, on n'a toujours rien d'intéressant. Ok, bah, merci pour tes infos, Moman. C'est gentil à toi. Comme il manque le DLC du Crétacé, mais bon. Ah, ça y est, on avance encore. Je vois que du nouveau terrain constructible est disponible. Nous devrions en profiter pour agrandir et développer le parc. Ok, on peut encore agrandir le parc, mais bon, on va éviter pour l'instant. Ah, bah, si Comumus, on peut plus en avoir, ça veut dire qu'on a tout le génome alors. Alors, le génome est à combien pour le Succo Mimus? Il est à 59%. Il est à 59%. Là, il va être à 77%. En plus, on a un spécialiste de l'extraction rapide. Oh! Parfait. Allez, les scientifiques ont récupéré. Toujours pour faire quelques recherches, tiens. Je pourrais faire le Camarasaurus ici, en recherche. Là, je pourrais débloquer le Gallimimus. New Games Planet. Le spécialiste, c'est toi, Momon. Pourrait étendre. Oh, 6 millions. Ouais, non, on va éviter de se mettre sur la paille. Ah, il nous faudrait 9 en logistique. Recherche plus rapide en plus avec elle, c'est très bien. Un joli petit combo. Si on peut avoir une nouvelle attraction supplémentaire, ça pourrait donner plus de variété. Ensuite. Là, on nous demande des bunkers. Bah, justement, tu sais quoi, on va étendre ici. Un bunker d'urgence, c'est toujours ça de prix. Bon, même si ce sont que des herbivores, entre guillemets. Ah, amélioration de véhicule. Tiens donc. Amélioration pour les véhicules, c'est quoi? Oh, 2 millions, oui, bah oui, bien sûr. Donc là, on a encore un. On va les rechercher, allez. Il ne reste plus grand-chose pour le Psychomimus. 9 en logistique. Parfait. Là, il faut faire le plus d'argent possible maintenant. Ça, c'est une autre paire de manches. Toujours pas de scientifique roi de la génétique. À 10, non. Personne. Dommage.
Ah, ils ont pas assez d'espace ouvert. Bon, on va corriger ça. Voilà, c'est bon. Parfait. Si nos parasols sont ravis, que demande le peuple? Alors par contre, là, il y aurait peut-être un coup à faire. Ah, je sens que c'est l'autre Rex. Ouais. Ah non, ça va. C'est un compi. Mais il est où l'autre? Il est où? Eh, c'est direct, s'il tient le papy, hein. Ah, il a 73, hein. Ça va donner quoi? Oh. Bah, tu sais quoi, les deux pépites. Hop là, parfait. Là, on va se mettre bien. Les bunkers sont accessibles à 94%. Ah ouais. Et dans le doute, je vais en mettre un là. Hein. Comme ça va encore augmenter un peu la note. Hausse de 2%. Yeah. Parce que là, c'est très demandé, donc je pense que ça va encore augmenter un peu la note. Ah, ça y est, on monte à 98%. Ce qui est pas mauvais du tout. Mais qui est très bien, au contraire. Et là, on pourrait faire alors 5 et 4, 9. Vive 2%, ouais. Notre scientifique là qui est complètement cramé, on va l'envoyer en congé. Ah, le pool a changé, on dirait. Oh, vous êtes chiant, hein. Encore un 10 en logistique. Je vais former Alves, je vais lui mettre les 2 points de logistique requis. Paf. Toi, je vais te mettre les 2 points requis en génétique, comme ça, c'est fait. Et toi, tu es assez polyvalent. On va faire en sorte que tu sois polyvalent. Alors, toi, tu es pareil, tu es polyvalent. Hop, parfait. Là, je peux pas le former, là non plus. Et là, j'ai 2 points, donc là. Je vais mettre tout de suite les 2 points génétiques comme ça. Par contre, je vois un peu pour mes boutiques là. Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus? On est très bien en nourriture, mais on est correct en poisson et en boutique. C'est un peu embêtant. Ok, on va être court ici. Mais on va corriger le tir. Attends. Donc là, j'ai assez de nourriture, mais en cadeau, non. On va mettre une allée, une grande allée, comme ça, ce sera. Non, pas remplacé, pardon. Ah, santé fragile ou ça? Wow, qu'est-ce qu'il a? Il a chopé une maladie qu'il fallait pas, c'est ça?
Mon EMV, vite. On va soigner un peu, on va voir ce qu'il a, ce petit, notre petit compi là. Parce que c'est pas bon du tout ce que je vois. Et là, on va boucler ceci. Comme ça, on aura le succomimus à 100% et on pourra commencer à travailler dessus. Dis donc, Rex, t'as la pêche encore hein, pour un vieillard. C'est pas sur toi, gros bêta. Parfait. Le succomimus a son génome complet, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, on fera le cellophysis tôt ou tard. Alors, je modifie son génome pour démarrer. Déjà, on retire up et la sociale. Parfait. Donc, il me reste 4 points. Il me reste 4 points. Donc, sachant qu'il est en forme. Ok. Interaction. Voilà. Comme ça, il aura un peu plus de gueule. Les cellophysis, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, déjà, ils sont chétifs. Là, il va me rester 3 points. Bah, en vrai, j'ai envie de te dire, pourquoi pas foutre les 3 points en longue durée de vie. Hein. Moi, je pense que des dinosaures qui tiennent longtemps, mieux c'est quoi. Je me souviens pas si on l'avait déjà eu. Alors, les cellophysis, ils ont un petit attrait. Ouais. En vrai, t'en mets plein de petits cellophysis, t'es ravi quoi. Oula, tempête. Ouvrir tous les abris peut-être. Et je vais enregistrer parce qu'une mauvaise surprise est déjà arrivée avec les tempêtes, je rappelle. Même si on me dit qu'elles sont moins violentes, je vais être prudent. Ah merde, il y a une panne de courant. Ah, je crois que Rex a trépassé. Oups. Par contre, je trouve que les véhicules sont plus difficiles à manœuvrer. Alors, je sais pas si c'est moi, mais... Bon, c'est un fail. Waouh. J'ai du mal à les manœuvrer, je trouve. Ils sont plus lourds. Maintenant, je peux rien faire pour l'instant. Bon, bah, on va prier que la tempête passe. Qu'est-ce que t'as, toi? Ok. Bon, ça y est. CGREX a trépassé malheureusement. Ouais, bah c'est plutôt une bonne chose que si elles sont réadaptées, tu me diras. Bah, je pense qu'on va pouvoir lâcher nos premiers succomimus. Hein. Alors, on va affecter des scientifiques. Je veux dire que rouler en tempête n'est pas adapté, c'est pas faux. Donc 7 et 4. 11. Oh, 4 œufs là. Carrément. Cible en transit.
Et en fait, je pense que je vais devoir utiliser le Suikomimus. Je vais le foutre dans l'enclos des T-Rex où il était. Enfin, où ils étaient, pardon. Et je pense que ça devrait le faire, hein. Ok. Donc là, les raptors sont toujours aussi aimables hein, avec les autres. Ah, par contre, les vélociraptors aiment bien les Indominus Rex. Parce que Jurassic World, c'est pas déconnant. Alors, on va voir un peu les œufs. Espérance de vie, interaction. C'est plutôt pas mal. Oh, ça me coûtait 3 millions, mais. Pour moi, l'investissement est largement faisable. Alors, il nous faut 10 en bien-être. 8. Allez, on perd 3 millions, mais c'est pour la cause, quoi. On est presque aux 3 étoiles. Il nous manque plus grand-chose en revenus. Mais bon, je savais que tôt ou tard ça nous ferait mal la perte des T-Rex. Hein. Mais là, je pense qu'avec les deux Suikomimus qui vont débarquer, ça va remonter un petit peu le tout. Lui, le Mammenchisaurus, on va essayer de le remplacer aussi. Sur quoi je vais partir maintenant, comme nouvelle. J'ai vu un 49% quelque part, c'était le. Ah bah le chasmosaure, on va essayer de le poursuivre un peu lui. Parfait. Alors Cho, tu vas aller en congé. Toujours pas de nouveautés niveau scientifique. Ah, et là j'ai eu un bug, alors je sais pas d'où ça sort. Voilà, on avait coupé la tâche. Ah, sabotage. Ok. Bon, pour le moment, on n'a pas de risque de sabotage. Pour le moment. Ah, ils se font désirer, nos Suikomimus. Hein. Par contre, ah oui, j'ai même pas fait le truc des boutiques là, tiens. On a quand même beaucoup de grand public. Hop. Parfait. Bon, c'est pas mal. Et là derrière. J'ai eu 14 000 ici, on a du grand public. 22 000. Photomaton, je prends. Ouais, non, là, ça va être pas mal, je pense. En termes de nourriture. Une grosse demande par ici quand même. Hein. On va faire ça. Sinon là, ça donnerait quoi, admettons? Regardez ça, notre note, elle continue de grimper là. Admettons.
On a pas mal de grand public quand tu regardes. Ouais. Le karaoké, ça me plaît. Bon, pour le moment, on n'a plus rien. Alors maintenant, on va en transférer nos deux gus là, par pont aérien. Ah, il faut qu'ils soient trois, mais vous êtes chiants, les gars. Ah, ok. Bon, on va en affecter d'autres, hein. Comment se ruiner avec des succomimus, hein? En deux leçons. Ah, pathologie non identifiée. Bon, au moins notre parc, là, il commence à donner, à remonter en termes de ressources. Ouais, là on monte bien, hein, mais bon. Là, imaginez 4 succomimus en plus. Ah, super. Et on n'a pas un qui est ravi, hein. Bon, déjà, les deux agressifs, on va les éliminer. On va prendre ces deux-là, même s'ils sont un peu plus agressifs. Il va nous falloir 10 en bien-être. Je sais que c'est du gris, mais bon, pas trop, je sais pas trop d'autres solutions à l'heure actuelle. Alors, mon EMV là. Alors, toi, mon coco, tu vas aller vite me nettoyer ça. Alors, lui, je sais pas, mais il est vraiment buggé, hein. Santé fragile. Et il vit encore à 0% de santé, un magnifique bug. Ah bah lui aussi, hein. Maladie contractée, c'est quoi? Ah, ils ont la rage. Oh. Et là, c'est le début des emmerdes. Plus de carburant, c'est pas bon du tout ça. Évidemment, au moment où tu arrives et qu'il y a plein de bordel. Par contre, la rage, ça va coûter combien que je pleure? Mais la grille, je l'ai. Ah bah les pachis commencent à cagner maintenant. Oh putain, j'ai un raptor qui est mort. Putain. Ouais, ça a bien chuté, j'avoue. Oh, mais j'ai eu plusieurs morts d'un coup là.
Ah oui, il y a aussi le. Faudrait peut-être que j'ouvre tous les abris finalement. On va les transférer par pont aérien, on va les mettre ici. Ah non, on va transférer notre nos nouvelles stars. Et je les ai encore transférées, je me suis encore planté, putain. Ouais, on a la gestion compliquée là. Ça y est, là, le parc il part en cacahuète. J'avais rien eu de la game et là. Chut. Ah, ça te dégoûte ça. Ça, c'est le karma, les mecs. Bon, tu sais quoi, on va tenter un truc. Contrôle direct. Hop, let's go. Traitement contre la rage. Ah bah quand même. Alors, recherche plus rapide peut-être. Bon, ça va. Waouh. Et ils sont chauds là. Vite. Je passe une. C'est vraiment. Parfait, on a le traitement contre la rage qui est fait. Par contre, là, il est où mon équipe de garde là? Par contre, l'EMV la plus proche. Va me soigner ce raptor là parce que ça pue sinon. Et par là, on a plus d'électricité, génial. Voilà, il y a encore un compi qui canne. Il est canné de quoi lui? Mort de vieillesse, bon ça va. Alors nos succomimus, qu'est-ce qu'ils vont pas? Ils ont besoin d'eau et ils ont besoin de poissons. Bon, l'eau on peut la remonter tout de suite. Voilà. Donc l'eau c'est nickel. On va essayer de développer le poisson. Attends, le poisson c'est où? Ah, il me faut 500 000 par contre, je les ai pas. Un autre pachy qui canne. Ok. Bon, ça va, les succomimus là, ils ressemblent à quoi un petit peu? On n'a pas eu le temps, ça va te voir. Oh, ils compensent largement les T-Rex hein, à 4. Sachant qu'un T-Rex était à 1266, 639 x 2, ça fait 1278. Ah, il les compense un petit peu plus. Bon. Le pichon, s'il vous plaît. Alors, 4 en logistique et 9 en bien-être. Alors, le bien-être. Hop. Ouais, c'est comme le baryonyx, hein, c'est de la même famille, ça. Comment ça, isolé? Ah, merde. Je me disais bien que j'avais oublié certains. Allez, vite me les chercher, ceux-là, parce que sinon, là, il y a des succomimus en colère. Croyez-moi, ça fait pas du bien. Vite, mettez-les là-dedans. Je me disais bien qu'il m'en manquait deux.
Oh putain, je suis une catastrophe sur ce parc. Mais bon, il en faut des petits moments comme ça, vous me direz. Alors, le poisson, ça coûte combien? Parfait. Et qu'est-ce qui nous manquerait? C'est de soigner notre raptor. Allez, encore une pathologie non. Oh là 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 là. Ils sont tous malades les uns après les autres. C'est hallucinant, quoi. J'avais rien dans la game et là, pouf. Hémorragie interne, ça, j'aime pas trop. Faut vite le livrer à un établissement. Ok. Et je crois que pour le scénario, il faut que 4 étoiles, hein, si je dis pas de conneries. Alors en bien-être, il me faut. Parfait. Bah, 3 étoiles et demie, c'est déjà pas mal à un moment. On va y arriver. Hein. Et eux, ils sont toujours ravis ou ils sont toujours assez ou pas les raptors? Ok, ça a l'air de tenir pour l'instant. Je crois que mes comps Soniatus là, ils sont buggés. Hein. Alors, attends. Je vais tenter un truc juste pour vérifier. Est-ce que tu peux les endormir, ceux-là? Et lui? Je vais juste vérifier un truc. Et je crois qu'ils sont buggés en fait. Ah ça fait chier mais bon. Ah un combat entre deux Suikomimus s'est déclenché. Tiens donc. Dites donc les gars, faut vous calmer hein. Nickel. Ah, il se soigne mais bon. Alors le MV par là. Et vous allez retourner là-bas. Alors là-bas, qu'est-ce qui va pas? Ah c'est ça qu'il faut réparer, ok. Très très bien, très très bien. Est-ce que tu pourrais me réparer ça derrière, s'il te plaît? Merci. T'es sûr qu'ils ont obtenu ton profil de force avec ce dino en statue? Je sais pas, Momon. Et lui, il s'est pris quoi? Commotion cérébrale. Ah bah maintenant, si je dois avoir un service d'EHPAD, faut le dire, hein. Au secours. Je ferai un EHPAD bientôt pour dinosaures. Oh, faites-vous des câlins au lieu de faire des cons, quoi. Bon, ça va. Ça y est. Le gang des Suikomimus, là, ouais. Très, très bien. Toi, tu vas aller te soigner là-bas. Alors, il me faudrait 8 sur 7. Yes. Une commotion cérébrale, aller au vestiaire. Ouais, c'est carrément ça, en plus. Hein. Là, les pachis sont en train de tous de mourir. Donc, j'aurai un nouvel enclos qui va se libérer. En vrai, je pourrais foutre une meute de Cellophysis là-dedans. Attends, on va voir un peu. Là, j'avais modifié le genou ou pas? Je sais plus. C'est quoi? J'ai tout mettre en aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous falloir ça.
Alors, 3 et 3. Je vais pouvoir créer des équipes de football américain ou de Blood Bowl rien qu'avec des dinos. Lol. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref. Ils sont quand même classe, hein, les Sucos. Alors, il est où, là? Toi, tu viens là, tu vas retourner ici, hein, avec tes congénères. Et arrêtez de vous bouffer entre vous. Merci. Le grand camarade CJI ne va pas avoir pas apprécié. Alors. Déjà là, il y en a 6. Ce qui est pas mauvais du tout. Hop. Il faut qu'il soit 6 au minimum. Oh, attends. Eh ben là, il va en avoir 12. Il va nous falloir 4 en bien-être. 6. Bah là, les pachis, vous, malheureusement, vous allez y passer, les gars. Rien de personnel, mais bon. Alors, moi, j'ai l'impression que quand tu mets que des carnivores, ça peut vite monter. On est 7. Il y a le film aussi 47 avec 47 Ronin avec Keanu Reeves qui avait pas bien marché, malheureusement. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Aïe. Ah, ça y est. Alors, on va vous transférer par pont aérien, vous. Et je vais vous caser ici. J'en aurais peut-être oublié un dans le coin. Donc, je vais attendre qu'ils aient terminé. Et qui c'est qui s'est encore blessé? C'est un Sucomimus, évidemment, parce que. Ils aiment bien être chiants, se faire remarquer. La cible a bien été transportée. Alors attends. EMV. EMV ou T. Raison confirmée. Alors t'as quoi toi? La cible a été... Oh putain, c'est encore le premier qui s'est pris une lacération. Mais c'est pas possible. Au secours. Ah, ça y est, les Cellophysis ils s'y mettent aussi maintenant. Eh ben, ça promet. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, vous avez pas de viande. Bon, on va corriger ça, mais détendez-vous. Voilà. Voilà, vous êtes content. Qu'est-ce que vous... Hey, ils sont classe comme ça. On dirait que ça ressemble à un compi. Non, alors attends, je vais regarder pour le comparatif. Ah, c'est petit, hein, tiens. Alors, le compi. Ouais. Bon, au moins, le point positif, c'est qu'on va pouvoir tous transférer tout ce petit monde. Hein. Cible en cours de récupération. Demande de récupération bien reçue. Entendu. Voilà. Et toi, tu vas aller... te faire soigner ici. Par contre, il va nous falloir 7 de bien-être. 3. Hop. Comme ça, nos scientifiques, là, on va les faire se reposer un peu. Niveau recherche, on n'a pas encore débloqué pas mal de dinos, là.
Le confort des visiteurs. On peut pas. En manipulation génétique, on peut débloquer ça, mais c'est que des trucs de skin, entre guillemets, j'aime pas trop. La couveuse, on est à jour. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je développe les grilles au niveau supérieur. Enfin, les clôtures. Parce qu'on a 4 succomimus, alors je sais pas. Alors, quel niveau de sécurité ils peuvent être intimidants, on va dire. Alors, le succomimus. Appelé dinosaure à long museau. Est-ce que je peux le voir ça? Ah, il s'entend bien avec les baryoniques. Bon, tu me diras, c'est des baryoniques entre eux, donc à la limite. Bon, mon baryonyx là, par contre, il va se soigner tout seul. Ah, Dino Marusa. Ok, c'est pas mal. C'est surtout les raptors qui l'ont démonté cette clôture. Ouais, c'est clair. Et pourtant, c'est la clôture niveau 4. Hein. Ne me dis pas qu'il y a un bug là. Et mon succomimus là, il va se transporter à la cinglingue ou quoi? Ah, quand même. Bon, ça va. On a corrigé le tir. Il faut qu'on étende encore les limites du parc, hein, ça y a pas. Ça me coûtait combien les prochaines limites du parc que je pleure? Bah, déjà, on va faire les recherches. Bon, un demi-million, allez. Si on peut avoir des plus gros hôtels, pourquoi pas? Comme ça, on se met bien. Alors, je vais juste voir ce qu'ils disent au niveau de la qualité de mes hébergements. Ah, 64. Bah, on va faire des hôtels moyens par-ci, par-là. Ça va commencer à rehausser un petit peu le tout. Bon, il ne reste plus qu'une espèce de dinosaure herbivore. Enfin, il nous reste avec les pachys aussi. Enfin, non, je dis de la merde. Même lui, il est encore en vie. Comment ça, plus d'électricité? Ah, oui, effectivement. Alors, ce que je vais faire, je vais détruire ça là. Et logiquement, si je mets la centrale là, je dois avoir la place. Ah, ça y est, il est. Oh, c'est le physique mort dans un combat. Bon. Ah oui, oups. Aucune source d'alimentation, vraiment. Obstacle pylône. C'est quoi, je vais juste le déplacer. Parfait, merci. Bon bah c'était pas mal plutôt hein, pour cette première partie là, cette nouvelle partie. On a bien étendu le parc, on a eu des nouvelles espèces, bon, Ripley T-Rex. J'espère que ça vous a plu YouTube. Donc là on est plutôt bien, on va continuer d'étendre le parc, faire les recherches nécessaires qu'on peut, débloquer de nouvelles espèces, etc. etc. Et on verra ce que ça donne. Évidemment, tous nos animaux tombent malades en ce moment, tu sais pas pourquoi. Enfin, allez, sur ce, des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.